Forcément direct. Oh Ben, qu'est-ce qu'il est, oh, il est rapide, c'est qui ce joueur là? Wesh! Ah ouais, t'es quoi, ils ont des sports comme ça là? Mais c'est qui ça? On va chercher le centre, Anelka. Ah, elle est rouge, Anelka là. Ici, bien joué. Bien joué! Le 1-2 avec un Marseillais. Cristiano Ronaldo. Cristiano, là il faisait pas su là. Là il s'est fait normal. What's up, Manel, sur la chaîne, frérot, tu connais. Continue toujours notre petite aventure de découverte sur FIFA 9, frérot. Première vidéo, on a testé la majeure partie des clubs de Ligue 1, excusez-moi, qui était chaud en 2009. Et là, on va faire la même expérience, les frères. On va partir pour tester les clubs de première ligue. Comme club de première ligue, les frérots, pour cette partie, déjà, faut qu'on teste Arsenal. Après, Aston Villa, ils avaient 4 étoiles, c'était pas mal aussi. Hein. Blackburn, ça, c'est des clubs et tout. Je crois même Blackburn, ils sont pas en parfait moment, ils sont pas revenus en première ligue. Ensuite, il y a Chelsea, 5 étoiles. Il y avait Everton qui était pas mal aussi, Fulham qui était pas mal, Hull City, Liverpool, Man City, Man United, Middlesbrough, Newcastle, Portsmouth, Stoke City, Sunderland, Tottenham, West Brom et West Ham, Wigan. Ok les héros. Pour le premier match les frères, on va se faire un Arsenal-Tottenham. Déjà, Tottenham ils avaient une note de 5 étoiles. Ah, ils avaient un maillot, bon, un maillot blanc de Tottenham. Ils avaient une note de 5 étoiles, pareil qu'Arsenal qui avait une note de 5 étoiles. Au niveau du collectif et des Gunners, on va voir ça. Alors, Manuel Almunia, ok, sous la finale du général. Après, il y avait Bakary Sagna, Kolo Touré, William Gallas, Gaël Clichy, Rosicky, Fabregas, Eboué, Nasri, Van Persie, Adebayor. Dans les remplaçants, Fabianski, Davinson, Ramsey, Walcott, Eduardo, Diaby, Bertner, Alexandre Song, je crois, je sais pas. Après, il y avait d'autres joueurs, mais bon, ça va, ils avaient un collectif qui était quand même pas très mal, Arsenal, avec Van Persie, Nero, qui s'en souvient, il était super chaud. Même après, tout, il signait à Man United et tout ça. Du coup, Nero, bah, dans le collectif des Gunners, je pense pas que je vais changer grand-chose, hein. Parce que je pense que déjà, après Eduardo, je connais pas, mais bon. Après, je pense que déjà, le collectif, les 11 joueurs qui sont titulaires, ils sont pas mal. Du coup, je vais partir avec cette compo-là. On va voir et tout la compo du côté de Tottenham. Ok, il y avait Corluca, Woodgate, Kings, Gareth Bale. À ce moment, à l'époque, les frères Gareth Bale, pour ceux qui ne savent pas, ils jouaient latéral. Un peu, il jouait le même poste que Ramos, au fait, à cette époque. Il avait une note de 67 de général à l'époque. Ensuite, il y avait Bentley, Ginas, Modric. Ah ouais, Giovanni Dos Santos. Est-ce que c'est le Giovanni Dos Santos du Barça? Je sais pas trop. Pablo Skonchko, je connais pas. Bent, je connais pas. Déjà, Modric, à l'époque, en 2009, il avait une note de 82. Il était déjà pas mal, Modric. Il avait quel âge? Comme on peut voir l'âge, ah, ok, yeah, il avait 22 ans Modric à l'époque. Ok, c'était pas mal déjà, 22 ans, il avait une note de 82 de général. Ok, et j'aimerais bien aussi Gareth Bale, à l'époque il avait quel âge Gareth Bale? Gareth Bale, il avait 18 ans, ah ouais, 18 ans, Gareth Bale 18 ans. Et il avait une note de 67 de général, ah ça va, il était pas mal aussi Gareth Bale à l'époque. C'est parti pour le match les héros, j'espère qu'on va remporter ce match. Ah, déjà, les frérots, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai faite sur FIFA 9 ou dans cette vidéo où j'ai joué avec les clubs de Ligue 1. On a vu l'effectif de l'OL, de Saint-Etienne, de Bordeaux, de Lille et du PSG, les frérots. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, elle était pas mal. Sinon, sur ce, les frérots, la objectif victoire. Dans la dernière vidéo avec les clubs de Ligue 1, j'ai fait 3 matchs, j'ai remporté 2 matchs et j'ai fait un match nul. Et là, l'objectif, c'est de remporter quand même, comme d'hab, le maximum de matchs et d'éviter les défaites, les frérots. Donc là, on va faire le stade avec les Gunners.
William Gallas. Nasri, attaque. Ah ouais, déjà. Allez pour Wojcicki. Wojcicki va centrer. Adebayor, il est super oh, grand. Allez, Adebayor, il est trop fort. Oui. Il lève la tête pour centrer. Ah, Gomez, il a cap là. Ouais, bonne relance du gardien. Allez, il faut qu'on remporte ce match. Parce qu'à l'époque, à cette époque, je ne sais pas, Arsenal, ils étaient super chauds. Ben ils jouaient en Ligue des Champions, ils étaient quand même l'un des clubs et tout à craindre la Champions League, les frérots. Donc là, il faut quand même hausser le niveau Wojcicki, et faire honneur à cette équipe d'Arsenal. Fabregas, quand même, il était chaud. Et après, il signe au Barça et après, il va à Chelsea, je crois bien. Allez, à des bailleurs. Oula. Il faut revenir en direct. Modric. Oh, ben, qu'est-ce qu'il est oh, il est rapide, c'est qui ce joueur-là? Wesh! Ah ouais, putain, ils ont une histoire comme ça là. Mais c'est qui ce mec là? C'est qui Bent? Je connais même pas. Ouah, il m'a mis une accélération. Wesh. Non, même moi je suis choqué. Il fait une petite extérieure et tout, elle rentre normal. Bon, les roues, on prend un but d'un seul jeu, hein. Je m'attendais pas. Wesh, Bent, wesh. Les héros, est-ce que vous connaissez Bent? Moi je sais pas c'est qui. Ouverture défensive. Un petit mot, Franck, sur cette équipe allez, d'Arsenal. Ouais, bien, c'est une formation qui me marque oh, surtout putain, par sa rapide, régularité mais... depuis quelques années. Il faut faire la misère. On sait qu'entre les années 98 allez, et 2005, oh, les la faute là, l'arbitre. Là. L'arbitre a sifflé. Est-ce qu'il y aura un carton? Oh, il est blessé. Je crois que ce soit fini pour lui. Hein. Oh oui, ça a l'air c'est sérieux. C'est Modric ouais, l'arbitre qui met la main à la ah ouais, il est blessé, il est blessé. Ah ouais. Ils ont blessé Wojcicki. On va faire rentrer Walcott, les frérots. Walcott, il va super vite. Je pense que ça peut m'arranger aussi d'avoir un joueur qui est rapide sur les côtés. Il touché, j'espère. Oui. On dirait qu'ils attendent une ouverture dans la défense. Ah, contrôle, contrôle, pas, mais c'est... On lui a subtilisé ce ballon. Il joué, les deux, éboué, ça se frappe. Tranquillement. Oh là là là, c'est passé tout près. Là, les frérots, là, je pense que c'était PES, elle est rentrée. Je crois PES 9. Parce que t'étais placé comme ça, genre, dans ce genre... était bien placé genre en mode diagonale et tout et que tu frappais dans les cages ça passe compliqué le terrain vous passez allez Van Persie vas-y y a pas en jeu là Van Persie il faut égaliser il a voulu tacler va rentrer Van Persie Van Persie frappe super barré du gardien dans ce duel et il ne s'est pas livré trop elle fiche allez Bayer allez pour toi besoin pour toi. Van Persie, comment il a tout raté ça, mais... Et la défense qui se choquait. Wesh, le gardien il était couché. Il avait juste. Ah, ce genre d'occasion quand, quand tu rates ce genre d'occasion, ça fait chier. Oui, Van Persie, mais. Ouais, bon appel, il faut lui donner. La faute quand même, il a taclé. Van Persie, là, franchement, les héros. Abdelwahid, il met la tête, le gardien, il s'arrête pas, ça tape le bouton, je sais pas, ça revient. Van Persie, ouais. Van Persie, doit aller. Là, il faut que le frérot Van Persie, le coffre, tu le mets, s'il te plaît, Van Persie. Si le coffre, la Van Persie, tu le mets, s'il te plaît. Allez, Robin Van Persie. Là. Ballon contre eux. Penalty, là, non ah, le penalty, c'est ouf, là, mais sur la lutte, là. Le penalty. De la tête, bien joué. C'est bien donné, ça allez, par le côte. Il est tout seul, il est tout seul. On s'est repoussé, attention. Ah oui, le frérot, on a trop rapide. C'était trop. C'était trop un jeu de Walcott, égalisation. Ah c'était trop les frères, c'était trop, c'était trop. Franchement là, là franchement c'est un du gag. Hein. Il y a des trompes pas possibles, il frappe, ça revient sur le gardien, ça revient sur Walcott. Et il a juste à mettre dedans en fond les frères. Donc du coup, égalisation, revenir à la partie. C'est normal qu'on essaie le match, mais là ça va, on égalise, il reste encore du temps pour marquer. Il est passé. Allez, il peut marquer, il peut marquer là. Il n'y a pas en jeu, il n'y a pas en jeu. Allez Van Persie, allez Van Persie, allez, allez Van Persie, la passe. Mais non, ce ballon qui est contré, le défenseur qui dégage de la tête. J'aurais dû tirer avec Van Persie, pourquoi j'ai fait la passe, mais non. Allons pour Samir Nasri. Pourquoi j'ai fait la passe? Je regrette. Oh oui, très beau geste défensif. Je regrette d'avoir fait la passe, mon frère. Après la passe était bien jouée, mais c'est le joueur qui a pas réussi à mettre au fond. Franchement là j'ai fait la passe en retrait là, il était pas mal. Ah, c'est bien dosé ça. Mbappé oh, tout là, il est très dangereux. Oh, c'est le centre. Mmh. C'est bouillon, mais c'est bien joué. Encore il a l'eau. Là.
Oh, passe déterminante peut-être. Bien joué, gardien. Bien joué. Il ne réalisera pas le doublé sur cette action. Messi va le percer. Adebayor, je suis là. Adebayor. Ok. Allez, vas-y. Un peu parti. Adebayor. Montage, Adebayor. Allez, Adebayor. Mais pourquoi il tape comme ça, la faute? Tu l'as vu. Il n'est pas carton rouge. Allez, Van Persie. Tu l'attends, t'as pas. Allez, Van Persie. Toujours tu mets dans le mur. Putain, je me suis dose bien mal le coup franc. A chaque fois, ça part dans le mur. Oh la balle. Là, il faut. Mais non, les héros sur les contrôles de balle. Là, il a un. Il va chercher. Ça part au jeu. Allez, Van Persie. Crochet. Tout près de la zone de vérité. Non. Arbitre, c'est pas ce que c'est pas. C'est dégagé. L'arbitre, c'est pas. Ouais. Ah, l'arbitre il est généreux, les frérots, ils sifflent pas là. Ah, là c'est mort. Je pense que c'est mort, les frérots, c'est mort. Ah, les deux équipes match nul, les frérots, face à Tottenham. Nasri, il a vraiment dessus dans ce match, les frérots. Franchement, j'ai pas ressenti un grand Samir Nasri. On a pris un but en début de match, c'était vraiment compliqué, les frérots. On s'est pas vraiment créé beaucoup d'occasions. En plus, le but qu'on marque là, le but de localisation. C'est vraiment un but sur un coup de chance parce qu'il y a tellement de contre. Et ensuite la balle elle vient dans mes pieds, j'ai juste à frapper dans le code. Mais franchement, ça n'a pas été très très fameux ce match. Là les frérots, voilà, on va passer aux choses sérieuses. On va se faire un Chelsea-Liverpool les frérots. Franchement, Chelsea-Liverpool, il y a un match qui m'a marqué. C'était je crois en 2008 ou je ne sais plus quoi, en 2009. Où ils ont fait un match 4 partout, c'était vraiment un truc de malade. Donc voilà les héros, Chelsea-Liverpool. Du côté des Blues de Chelsea, les héros dans les cages, hein, franchement, gardien emblématique des Blues, Chelsea. Ensuite, Bosingwa, Ricardo Carvalho. Ricardo Carvalho, il a pas joué au Real, je sais plus s'il a joué au Real après, mais bon. Après, Bosingwa, les joueurs PES, ils savent très bien. John Terry, Ashley Cole, Joe Cole, ou je sais pas si c'est J. Cole, Mike Elysian, Deco, Balak, Lampard, Drogba. Par contre, Chelsea, quand même, ils avaient une équipe avec des cadres, en fait, je sais pas, parce que Issien, c'était le capitaine du Ghana, Drogba, capitaine de la Côte d'Ivoire, Lampard aussi, il avait quand même, c'était quand même un cadre et tout dans l'équipe d'Angleterre, pareil que Balak, pareil que Deco avec l'équipe du Portugal, pareil qu'avec Bertos Seche avec son équipe nationale, Ricardo Carvalho, c'était aussi un cadre, John Terry, c'était un cadre, ils avaient quand même une team de vétérans, quand même, Chelsea, les frérots. Après, il y avait Alex, John Binkel, qui était aussi un cadre et tout, dont son équipe avec le Nigeria. Il y avait Anelka, Salomon Kalou, Malouda, Paolo Ferrara, Di Santo. Après, Ivanovic, Fabio Payne, Belletti. Voilà, les frérots, pour l'effectif du Chelsea. Par contre, je sais pas si je fais jouer Anelka à la place de Deco, parce que Deco, il est bon, on va partir comme ça parce qu'il a une bonne note, il a une note de 85 de général. Du côté des Reds de Liverpool, les frérots, il y avait Arbeloa, Carragher, Hager, Dosena, Mascherano, Keutz, Reira, Gerrard, Fernando Torres et Robbie King, les frérots. Ils avaient quand même une bonne équipe, Liverpool, les frérots. Franchement, ils avaient une bonne team. Ce gros choc du championnat anglais, Chelsea-Liverpool, FIFA à 9, dernier match, on a fait un match nul, ce match-là, les héros, on a quand même Chelsea, on a quand même Lampard, on a quand même Balak, Didier Drogba, John Terry, on peut quand même faire du sale, les frères. Sortez ballon, bien joué, Ashley Cole, allez, la rencontre, Deco, bien joué, ah ouais, pas passé, allez, J. Cole, presse, J. Cole, là, Balak. Allez, Michel Balak, à sa côté. Bon. Liverpool essaye de faire tourner. On va rester en partie jetée. Ok. On sort la balle. On va chercher Drogba en profondeur, les frérots. Allez, DJ Drogba, tu peux l'avoir. Ils sont solides du côté de Liverpool, les frérots. Ils défendent vraiment bien. Ah, j'ai poussé la balle, j'aurais même pas dû. Ce ballon est perdu. Avec Fernando Torres. Là, 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 un danger, un danger. Il a fait un coup du couloir pour un switch. Limite. Il a plus trop la confiance, wesh. Ah, ça, c'est un beau pack à ta faute. Bah ouais, bien joué. Le début de match, très très compliqué. Allez, Drogba. Allez,
Allez, Drogba. Allez. Oui. Oui, Drogba. Oui, Drogba. Encore. Oui, Drogba. Oui, Drogba. Lâche ta balle. Bien joué. Ici, hein. Ça joue, ça joue. Sans problème aucun pour le gardien. Et par contre, là, c'est la rentrée. Et en fait, les rôles, je l'ai tenté parce qu'on me dit si je contrôlais, j'allais perdre la balle. Je me suis dit pourquoi pas la tenter. Par contre, si elle rentrait celle-là, ça allait être magnifique. On a des gros gabarits à Chelsea sur les corners. J'espère qu'il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Ça va. Bien, je prends toi. Bien joué. On va chercher Deco. Tac, Drogba, Deco. Là. Oh, Drogba. Drogba, c'est fermé. Écarte côté. Réception du Liverpool. Ah ouais, là, c'est mal. Là, on est mal. Heureusement, il s'est retourné. Là, il y a hors-jeu, là, non ? Par la mi-temps, si on score de 0-0, les frérots, franchement, c'est pas fameux. Hein. On n'arrive pas beaucoup à marquer, c'est un petit peu compliqué, les frérots. J'espère qu'au moins inscrire un but dans ce match. On a fait le tap. Oula, 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 oh le danger! Mais qu'est-ce qu'il fait? Ricardo Carvalho là! C'est John Terry! John Terry t'as fait sa balle dans les cages, wesh! Ah, là on va faire rentrer Anelka, les frérots, parce que là, ça devient un petit peu compliqué. Bon, moi aussi, Nicolas Anelka qui fait son entrée sur le terrain, les frérots. Par contre, là, allez, déjà Anelka, Nicolas Anelka. Qui a trouvé sur le côté Lampard. Et là, non, on ne sort pas. Avec lui, on va chercher le centre. Anelka. Ah, les roues. Anelka, là. Ici, Anelka, il marquait, là. Franchement. Anelka, ballon d'or, les frérots. Après, aussi, il était tout seul. Comment il fait pour la mettre au-dessus? Franchement, je comprends pas. Des fois, j'ai des occasions, je comprends pas comment il fait pour les rater. Il était tout seul, wesh. Du coup, hein, c'est pas de solution. Il a bien fermé la porte sur ce coup. Mais on parle. Rocher. On va chercher côté. Drogba. Drogba. Contrôle. Oh, il est bien donné ce ballon. Drogba. Drogba. Quel dommage pour le Drogba. Il est contrôlé. Il était bon. Ah, la reprise, elle passe à côté. Bon, 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 les rebonds, les rebonds, les rebonds. On va faire rentrer à la place de Deco. Florent Malouda, il va rentrer. Malouda, ching là. J'espère que ce coaching ça va payer les frérots. Allez, Drogba, protection. Oui, Drogba, oui, Drogba, oui, Drogba, oui. Drogba, il est tombé, il est pas tombé. Il est puissant, Drogba, il est puissant. Il arrive pas de côté, la clé. Contrôle, bien joué. Oh, ça, c'est une bonne balle dans la défense. Drogba, Anelka, Anelka. Pénalty. Mais non, là, il y a pénalty, wesh. Oh, il y a Chelsea. C'est pas fini. Ouais, ça, c'est un ballon intéressant. Mais non. Oui, bien défendu. Mais non. Mais trop bête. Qu'est-ce qu'il a fait, là? Il a raté. L'arbitre, s'il te plaît, siffle pas. Nicolas Anelka. L'arbitre, s'il te plaît, siffle pas. Ah, c'est mort. Je pense que c'est mort. Il va siffler. Il prend le ballon, ça c'est bien joué. Ah ouais. C'est fini. Allez frérot, match nul face à Liverpool, les héros. Match nul face à Liverpool. On n'a pas réussi à marquer, les frérots. Là j'ai la haine. Franchement, Liverpool, ils ont gravement défendu. Oh, c'était chaud, c'était chaud. Pour ce troisième match, les frérots, on va se faire un derby de Man United. Man United face à Man City, les frérots. Quand même, ce match-là, je pense que je suis favori parce que à l'époque, City, ils n'avaient pas vraiment une grosse équipe. Hein. Man United, quand même, et tout, comme vous allez le voir, les héros, on va découvrir l'effectif de Man United. Van der Sar, déjà, tu as Van der Sar dans les cages, tu es rassuré. Gareth Neville, Rio Ferdinand, Vidic, Patrick Evra, Cristiano Ronaldo, Carrick, Scholes, Nani, Berbatov, Rooney, les frérots. Franchement. Niveau du collectif, je suis vraiment gâté, les héros. Hein. Je suis vraiment gâté. Ensuite, ils avaient quand même beaucoup de jeunes joueurs. Hein. Cleverley, Macheda, Gruy, Amos, Ziller, Gibson, Danny Welbeck, Fabio, Chester, Raphaël, Manuncho, Fletcher,
Rodrigo Posido, John Oshie, John Evans, Foster, John Song Park. Vous devez le connaître, John Song Park, les frérots. Pour ceux qui ont beaucoup joué à PES, ils doivent connaître John Song Park. Après, Calor Stevers, Biggs, Anderson. Lui, j'ai jamais réussi à prononcer son nom. Agrivi, je sais pas si ça se prononce comme ça. Ensuite, Brown, Kurzak, bref. J'ai envie de mettre TVS, les frérots, mais après Berbatov, il est une meilleure note. Mais bon, après, on verra bien les héros. Nani, côté. Bon, je pense que Nani, je mettrai Johnson Park. Je sais pas. Bon, non, je mettrai quand même Nani. Il est une meilleure note, les frérots. On va partir comme ça, les héros. Et on espère que dans ce match, on va quand même marquer des buts. Pas comme dans les précédents matchs. Du côté de Man City, le fait qu'il y ait de City, Zabaleta, Dion, Richard, Bale, Watt, Phillips, Johnson, Fernandez, Petrov, Elano, Joe. Franchement, City, ils n'avaient pas... Comparé à aujourd'hui, les héros, City, franchement, c'était pas vraiment un truc de ouf. Hein. Ils n'avaient pas vraiment de gros joueurs. Hein. Là, ça veut dire que dans ce match... Ils n'avaient pas vraiment de gros joueurs du coup dans ce match je pense que quand même le plus gros joueur de City que moi je connais c'est que Watt Phillips il est rapide. Après Petrov je connais pas, Elano je sais que c'est un Brésilien, Joe pareil je sais que c'est un Brésilien. Mais bon les héros dans ce match je pense qu'on est favoris et on a quand même de grandes chances de remporter ce match les frérots. Du coup, les héros, Derby, Manchester à Old Trafford, les frérots. Victoire obligatoire, on a quand même une bonne équipe. Non, quand même, on doit. Au ouais, niveau là, contrairement au dernier match, on va quand même montrer qu'on a quand même un bon niveau sur FIFA 9. Même si c'est quand même compliqué au niveau de la maniabilité aussi, parce que ma manette aussi, elle est vraiment très très bien, les frérots. Ma manette, les touches, elles sont mortes. Du coup, c'est quand même galère. Galère, oh, même. Il fait quoi là? Il a vu son partenaire lui demander le ballon. Là, parce que là, le paraissait pas évident. Bon, je te peux. Alors, Rolando, oh, oui, Rolando. Bien joué. Regardez, bien joué. Là, maintenant, Bermatov, il doit la mettre là. Il était devant la cage, wesh. Ah, oh, ce type d'occasion dans leur vie, le défenseur il a taclé, il a fait un gros tac derrière. Right, Phillips. Ah là, on est sur tous les ballons, on est dangereux. Alors Ronaldo, on va faire la passe, on va faire la passe. On est, Berbatov, bien joué. Ouverture du score, les frérots, de Dimitri Berbatov. Franchement, ce match, je suis tranquille, les héros, je sais que quand même, je vais quand même marquer pas mal de buts. Parce que City en face, franchement, ils ont vraiment une bonne équipe. Charles, ils font tout de perdre. Harit. Là, Ronaldo, quand même bien. Ouh, la faute, en tout cas. Ouais, la coffre. Allez, Fiercet, pourquoi pas, pourquoi pas, les héros, pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas, Ronaldo, pourquoi pas. Pourquoi pas, les héros, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah, il manque un tout petit peu de puissance, là, d'aller rentrer. Geste impeccable. Ok, bien joué. Là, là. June. Non, le pire, Ronaldo, tu pars. Avec Wayne Rooney. Franchement, si défensivement, ça va, il commence à bien jouer. Là, là, on se fait pas trop d'occasion, là, wesh. Par contre, c'est quoi ça? Oh, là, au-dessus. Oh, quel dommage. Eh, ce sont les défenseurs qui ont bien joué. Première occasion de City dans ce match. Il y a corner au bénéfice de Manchester United. Oula. Dégage un peu à la sauf qui peut là. Par contre, le repos de volet. Réussir à cadrer sur le repos de volet, c'est quand même un petit peu compliqué, c'est quand même. Parce qu'il faut quand même bien doser la puissance. Vu que tu veux tellement marquer, je la jauge de tir, je la remplis à fond, les frérots. Oh, attention à ce coup franc, parce qu'il est bien placé. Et là, super beau coup franc. Je crois que le gardien, c'est Joe Hart, les frérots.
crois, j'ai pas bien regardé, mais j'ai l'impression que c'est lui. Bon, allez, CR7. Pourquoi pas? Pourquoi pas CR7? Cristiano Ronaldo! Ce ballon qui n'inquiétera pas le gardien. Oh, les frérots, ils passent pas loin! Très juste, les deux équipes ont fait jeu égal, mais quand on regarde le score, on s'aperçoit que l'égalité n'est pas parfaite. Hein. Je ne vais pas dire qu'ils réalisent pour le moment un hold-up. C'est parti, les frérots. On a fait l'erreur de ce match. Reparti pour 45 minutes. 1-0 à la mi-temps. Oh, certains se seraient déjà écroulés sur cette charge, mais lui, il est resté debout. Que j'allais mettre beaucoup plus de buts en première période face à City, même si on domine totalement le match, on n'est pas, ils sont pas vraiment dangereux, City, pour ce match. Cristiano Ronaldo maintenant. Ouais, bien joué ça, bien joué. Allez, Ronaldo, allez, c'est pas Ronaldo, c'est Berbatov. Et il y va tout droit. Pourquoi et cette séquence ne donne rien. Berbatov, wesh. Oh, le bon ballon. Le gardien qui capte ce ballon. Oh, c'était chaud là. Le ballon pour Nani. Evra. Ouvre Evra. Et il poursuit sa course. Bref. Il ne semble pas disposé à donner son ballon. Ça peut déboucher sur quelque chose peut-être. Il est seul au second poteau. Il parvient à briser cette contrôle. CR7. Cristiano, c'est fermé. Oh, que c'est bien coupé par le défenseur. Berbatov. Ah oui, bien là. Mais City, mais c'est là, il fait trop de fautes. Là, quand même, il faudrait que je marque moins que pendant ce match. Parce que j'ai trop de. Ronaldo. Oh, quel beau ballon. Oh oui, bien joué. On lui a subtilisé ce ballon. Oui, quel parti. Ce coffret, il est bien parti en plus. Ce ballon. Non, il le reprend tout de suite. Elle est passée. Ah ouais, elle est passée. Ouais, bon. Petit changement entre de Carlos Tevez et Park Jong-soo, je sais pas. Ok. Ronaldo, il est passé Ronaldo. Il y a faute là, ouais, il y a faute. Ouais, faute, c'est l'arbitre de touche qui le signale, je crois qu'il a raison. Ouais, bien dosé ce ballon. J'espère qu'il l'a bien joué. Cristiano Ronaldo. Bien joué. Le 1-2 avec Carlos Tevez. Cristiano Ronaldo, là il faisait pas sûr. Là il célébrait normal, wesh. Il célébrait les buts avec son petit doigt, je suis mort. Comme ça. Un petit peu comme ça. Ouais, c'est capté. Après, par c'est le gardien, très très loin. Et là. Ouais, non, là, faut pas empêcher la passe. Il va aller dans les cages. Il va aller en dessus. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'il dégage la balle comme ça? Wesh, il dégage la balle super bizarrement, wesh. En plus, il y a Robinho. Ah ouais, il y a Robinho, les frérots. Ah ouais. Et Robinho, il a joué à City. Je crois qu'il part du Real, je crois qu'il part à City après, je crois. C'est une sortie de but. Ballon pour Manchester. Park. Vas-y. Mais le ballon qui arrive dans la surface. Ils ont failli vraiment. Je sais même pas qu'elle a récupéré la balle en vrai. Eh oui, pas fait. Oh, c'est fermé. Oula. Ouais. Ouh. Bien joué là pour City, ils ont fait marquer leur but, leur seul but du match, mais pas sa côté. Ah ouais. Sur ce, les frérots, voilà, j'ai essayé de tester quand même pas mal de clubs de première ligue sur FIFA 9, les frérots. Si, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, s'il y a deux clubs de première ligue que vous aurez aimé voir
dans cette vidéo, comme je sais pas, une personne, une personne que j'ai pas pu tester, parce qu'après si je fais trop de matchs, après la vidéo elle va durer je sais pas combien de temps les frérots. Donc voilà les frérots, on a fait au total 3 matchs, on a fait 2 matchs nuls, 1 victoire, ça va. On a fait un match nul face à Liverpool, ensuite on a fait un second match nul face à Tottenham. Et là on remporte le match, là quand même si je ne remportais pas ce match j'avais pété un câble parce que quand même j'avais quand même une meilleure équipe par rapport à City, voilà City même et tout. J'aurais même dû marquer quand même encore plus de buts que de buts les frérots. Sur ce frérot, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Prends soin de toi, prends soin de ta famille, ne pas maner, reste toujours positif. T'as en fait mon gars ensemble, allez, peace.